Petro Porochenko a été investi samedi à la présidence de l'Ukraine. Il avait été élu président le 25 mai avec 54,7% des voix. Lors de la cérémonie d'investiture, ce milliardaire pro-occidental a prêté serment sur la Constitution et sur l'Évangile. Il a ensuite été déclaré président par la Cour constitutionnelle. Lors de son discours d'investiture, il a insisté sur sa volonté de maintenir l'unité du pays. Я не хочу війни. Я не прагну помсти. Хоча перед очима великі жертви, принесені українським народом. Я прагну миру і доб'юся єдності України. Тому розпочинаю свою роботу з пропозиції мирного плану. L'investiture de Petro Porochenko a immédiatement été saluée par l'OTAN et l'Union européenne. Petro Porochenko succède ainsi à Viktor Yanukovych, destitué fin février après un bain de sang sur la place Maïdan de Kiev.